Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Car Manager avec le Racing Club de Strasbourg en ce samedi. Je suis très content de vous retrouver, je vous souhaite déjà un bon week-end de Pâques parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est le week-end clairement de Pâques. Moi je suis à Mainz pour aller voir Mainz contre le Werder de Brême. Mon petit week-end en Allemagne me fera très très plaisir pour ce week-end de Pâques et j'espère que vous passerez aussi un bon week-end. Donc voilà, on est de retour. Épisode à 3 matchs. On est de retour avec les épisodes à 3 matchs, ça fait plaisir. SCO d'Angers, Bayer Leverkusen et Olympique Lyonnais. Franchement, très 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 belle affiche parce qu'on a fait un match nul contre Brest la semaine dernière. Là, on a le SCO, Leverkusen, le match aller à domicile et après on affronte Lyon qui, sauf erreur, est une équipe assez intéressante au niveau du championnat, Lyon, puisqu'ils sont 5e et c'est quand même un beau ténor. On a 9 points d'avance hein, au total sur le Stade Rennais qui est notre principal poursuivant. On affronte le 15e, 23 points, une équipe qui est bonne à prendre au niveau de cette Ligue 1. Il faut absolument s'imposer aujourd'hui. Donc on ne va pas perdre trop de temps parce qu'on a 3 matchs et on est surtout avec des champions. Je suis très content de vous retrouver là avec des champions. Avec bien sûr la volonté d'aller chercher des points. Alors certes, Ligue des Champions arrive très très vite. Je vais passer en 4-4-2. Hein, j'avais prévu de toute manière de passer en 4-4-2 pour ce match. Étant donné que le 4-4-2 me fait utiliser moins de défenseurs aussi. Dans ma rotation, c'est un peu plus sain. Je vais mettre Dagba malgré le fait qu'ils soient un peu plus fatigués. On va mettre Dardey à la place de Niamsi. Je vais pas mettre Perrin. Je vais mettre Mandy, Perrin... Non, on va mettre Niamsi, Delaine, Thomasson, Bellegarde. Je pense plutôt peut-être mettre Cuisance à la place de Bellegarde avec Thomasson, Koulibaly, Mittelstedt, Jackson, Dieng. On va mettre Bamba Dieng au début et je vais très certainement faire rentrer par la suite Saï, Chirivella ou Mateta. Je vais prendre avec moi encore l'option Mateta. Je prends avec moi l'option Mateta encore et pour ce qui est du reste après, je ferai très certainement rentrer Deminguet pour Sissoko, voilà. On va avec une équipe très remaniée, hein, vous le savez pourquoi, après c'est Ligue des Champions, eux aussi il y a de la fatigue, donc finalement ça devrait nous permettre de rivaliser avec eux. Match donc contre le SCO d'Angers, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager comme d'habitude. On est parti pour affronter les Angevins dans cette première partie de la vidéo. Let's go. Allez, c'est parti les gars. Bon, c'est le petit match de la vidéo hein, finalement hein, pour nous. Les affiches derrière sont beaucoup plus grosses. C'est parti, attention, on se méfie de ces équipes de bas de tableau. Brest en était une, enfin c'est pas vrai, mais pas une bas de tableau, mais mieux de tableau. Il nous a bien embêtés. Et c'est aussi important de se mettre en confiance avant un match autant important qui va arriver contre le Bayer Leverkusen dans une affiche qui finalement est très très équilibrée. Hein. Difficile de donner un favori, nous actuellement leader de Ligue 1. Alors notre inexpérience en Europe peut nous faire défaut et de leur côté le Bayer Leverkusen eux ont je dirais un peu plus d'expérience à l'international, mais c'est pas non plus un club qui a 10 années d'affilée passées en Europe, donc on verra, on va voir. En tout cas ça s'annonce très intéressant et on espère déjà bien préparer ce match et la préparation de ce match commence par celui qu'on joue actuellement contre le SCO, donc il faudrait être très bon. Il y a une grosse faute là, heureusement il tient debout. Cuisance. Il n'y a pas d'enjeu. Jouer. Oui, elle est déviée, elle est dedans. Elle est déviée. Je ne mets pas la bonne musique. Elle est déviée, elle est dedans. Mittelstedt 1-0. Un peu de réussite pour le Racing Club de Strasbourg qui prend les devants dans ce match face à Angers. C'est pas plus mal, un petit coup de pouce du destin. La chance du leader. Strasbourg est devant. On va la revoir cette frappe. Alors je vois pas où elle est déviée. Finalement sous cet angle là je pense que ce sera plus clair. Ouais, alors là c'est clair et net que elle a une belle déviation cette dernière et ça va profiter au Racing pour ouvrir le score. Magnifique, 1-0. Oh, il y avait moyen de mettre le deuxième là-dessus, dommage. Grosse tête de Thomasson, 38e minute de jeu, le poids du deuxième, belle action à nouveau.
On se trouve assez bien dans ces lignes angevines. On arrive assez bien à circuler ce ballon. On centre à nouveau Jackson qui a une petite douleur. J'espère pas que c'est grave parce que si je perds Jackson, c'est pas une bonne chose ça. On n'arrive pas à reprendre ce ballon. Bon, ça dégage. Il y avait possibilité de remettre dans l'axe. Fin de première mi-temps. Ok, c'est bien. Strasbourg bien dans son match malgré la rotation de l'effectif. Strasbourg en place ne prend pas les devants, mais Strasbourg est en place et propose du bon jeu, et c'est peut-être l'essentiel. Faut continuer comme ça. Bamba Dieng, la frappe de Bamba Dieng contrée. Ça doit finir au fond, les gars. Il faut marquer Paul Bernardoni qui, pour le moment, fait son job. Hein. Le portier angevin. Et là, il y a goal. Oh, c'est pas possible. On voit clairement qu'il passe devant le défenseur. Il est plus rapide, mais non. Koulibaly qui sert un bon ballon sur Dagba. Dagba, la balle en profondeur. Là, il y a peut-être moyen de... pour faire quelque chose. Dagba, non, c'est pas possible, c'était pas Dagba, c'est Bamba Dieng. Incroyable loupé de notre attaquant. Je vais faire des changements, moi. Beaucoup trop de loupés hein, dans ce match, ça faudra faut quand même le dire. Entrée de Shaïri pour Mittelstädt qui sera très certainement titulaire en plus dans le prochain match. Saï qui va rentrer pour Bamba Dieng et Demingue qui va rentrer pour Thomasson. Allez, on doit terminer ce match, il reste 14 minutes, on est à quelques minutes de terminer cette partie. Et c'est vrai que sortir avec autre chose que la victoire aujourd'hui serait catastrophique au vu de la qualité proposée sur le terrain et des actions créées. Ce serait plus que compliqué. Là, il n'y a rien à dire par contre. Il est là, le deuxième. Le Racing Club de Strasbourg qui double la mise par l'intermédiaire de Saï qui vient profiter d'une très belle action strasbourgeoise. Le petit gars profite aussi d'inscrire encore un but et de continuer à embellir ses stats pour la première saison chez nous. Très belle action, c'est fluide, c'est rapide. Saï qui finit d'un plat du pied bien précis et qui envoie définitivement Strasbourg vainqueur. Ça va nous permettre de prendre 3 points. Maintenant, il faut soigner aussi l'aspect défensif, pas prendre de but. Et là, je pense qu'avec ce but, on a fait le plus dur, les gars. Et on va s'imposer contre Angers, 15e. C'était presque logique, mais on a mis du temps à dessiner cette victoire. On a joué là, cette balle qui est grattée, la balle maintenant dans l'axe pour... Oh, ça va pas passer. Oh là là, le retour de Niamsi, magnifique. Et c'est terminé. Oh, le retour de Niamsi est exceptionnel. Allez, victoire 2-0 contre Angers. L'essentiel est là. Victoire strasbourgeoise avant de recevoir le Bayer Leverkusen. Le job est fait. Bravo, messieurs. Bon, allez, les gars, de retour dans les menus avec, du coup, cette victoire. On va pouvoir se projeter maintenant sur les choses importantes. Oh, purée, 15 millions de la part de Fulham. 15 millions de la part de Fulham. Il y a des offres... plus qu'intéressante là, 15 millions et 20 millions. Antonio, oh purée, 18 ans. Alors heureusement pour eux que je joue pas avec des ailiers, parce que là ça m'aurait très intéressé. Je vais pas de toute façon vendre, hein, mais c'est pour dire, ok, c'est très intéressant. Et puis là, 15 millions quand même, ouais. C'est pas mal aussi, mais on vend pas parce que j'ai bien aimé le discours de Phil qui disait que tu pars pas d'un club qui est actuellement leader de son championnat et qui va jouer un titre. Tu ne pars pas, et je suis assez d'accord avec lui. Bon les gars, 8e de finale, Leverkusen. Moi, je vais pas me cacher sur le fait que, ils ont recruté. Hein, ils ont Davis, ils ont Livramento, ils ont Bakou, ils ont Benacer, Lodi, Zapata. Ça a recruté fort du côté de Leverkusen. Donc, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. C'est qu'à mon avis, on a une grosse équipe en face. Donc, on va clairement mettre l'équipe que j'aime bien appeler Champions League, hein, très très solide, avec vraiment celle qui enchaîne le plus de matchs dans cette compétition, avec Jean-Philippe Mateta, bien sûr. On va jouer ce dispositif qui n'est pas
forcément trop défensif, parce que vous le connaissez à force, il a une capacité à quand même poser de gros problèmes aux équipes qu'il affronte, ce 5-3-2, parce que bah, voilà, c'est quand même la tactique que je maîtrise le plus, je pense. Et voilà, on va aller comme ceci, avec la ferme intention de... Le but, c'est d'avoir encore nos chances à la fin du match, d'avoir nos chances sur le match retour, quand on se déplacera en Allemagne. Face à Leverkusen, je pense qu'on est quand même légèrement outsider dans cette confrontation, mais tout est possible, ça aurait pu être bien pire. C'est parti, on va profiter de l'instant. Strasbourg qui va donc affronter Leverkusen en 8e de finale de Ligue des Champions. Allez les gars, c'est parti! Entre Strasbourg et Leverkusen. Et là, faut pas se louper. Hein. Alors là, c'est parti. Après, c'est qualifié in extremis, hein, qu'on se le dise. Hein. Là, on raffronte une belle équipe d'Europe qui a vraiment fait un beau mercato. Faut dire ce qu'il y a. Ils n'ont pas le même budget que nous aussi. Hein. Ça, c'est une autre chose. Mais... Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. On se calme. Ça attaque fort. Ils n'ont pas l'intention de... Hein. On va se calmer quand même. Allez, ça va être important de bien savoir gérer les temps forts adverses. Je pense que c'est ça. Parce que vraiment, individuellement parlant, ils ont vraiment de très, très beaux types offensivement. Et c'est là... Oh, la première, je la galvo. Je dois pas tirer si fort si j'attends le rebond. Alors, je dois pas tirer si fort. La première pour Bamba Dieng sur une balle au-dessus de la défense adverse. Ça fait clairement le poids du 1-0 là. Allez, c'est bien, ça commence bien. Première action tout de suite. Et aussi l'occasion pour certains joueurs qui ont évolué dans le championnat allemand. On peut penser à Koulibaly, à Mittelstädt, à Dardai, d'affronter des équipes qui leur sont familières. Il n'y a pas d'enjeu. Ah, Radetzky, la parade. Bamba Dieng qui arrive à se montrer dangereux entre les lignes en ce début de match. Encore une fois, Radetzky. Oh là 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 là, Radetzky. La parade énorme du portier finlandais à nouveau. Et c'est à nouveau Bamba Dieng qui profite de ce rebond. Oh là là là, ce ballon, il est difficile à défendre. Encore une fois, une balle qui est bien tapée. La frappe ensuite, c'est dévié par la défense de cette équipe de Leverkusen qui, sincèrement, est en train de subir un petit peu durant ces 23 premières minutes. Super bon ballon, Frédéric Gilbert, là. Ça ne passe pas. Attention, un Mittelstädt là qui est passé. Et la balle dans l'axe, 1-0. Adán Lozek, première action. La première est la bonne. Leverkusen qui ouvre le score contre le cours du jeu au vu des productivités offensives de Strasbourg. Eh ben, c'est cher payé. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est cher payé. Strasbourg mené. Bien, Chirivella. Oh, là, la passe est pas bonne. Il n'y a pas d'enjeu. Oh, Matsels, la parade énorme. Ah non, c'est pas bonne là. Oh, il n'y a pas d'enjeu. Matsels. Oh, ils ont de la chatte. Putain, ils ont de la chatte de ouf quoi. 2-0 Bayer Leverkusen. Ils ont une chatte de ouf, on a pris un gros coup sur la tête avec le 1-0 et là, on prend un deuxième but, franchement ils ont de la réussite. Ils ont de la réussite, Leverkusen, 2-0 juste avant la mi-temps, ce but de Zapata. Et il faut marquer impérativement là, on est en train de, malgré nos 25 premières minutes ultra intéressantes, on est en train de passer à côté du reste du match. C'est pas possible! Les gars, c'est pas possible, sérieusement! On peut pas! Après, ils ont de la chatte aussi, quoi. Le gars, genre, il fait la parade de sa vie. Et la balle, elle vient taper tranquillement là-bas. Incroyable! Allez! C'est fou! Come on! Non, mais bon! Et à la base, il est nul, Radetzky. À la base, il est nul, hein. Qu'on se le dise, hein. C'est une chèvre, hein, le type. Hein.
Mittelstädt. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Sissoko, non. Sissoko, tu peux pas. Tu peux pas rater celle-là. On peut pas rater celle-là. Non, non, là, on peut pas. Là, c'est grossier. Là, c'est pas possible. On peut pas prétendre avoir des ambitions européennes en ratant autant dans un match aussi important. C'est pas possible. Déjà, on a beaucoup raté contre Angers. Il est monstrueux, Mandy. Merci! Tain! L'espoir renaît. L'espoir renaît. Avec ce but. Oh purée, bien joué Gilbert. Super déboulé là. Super déboulé Frédéric. Le centre est bon. Amorti de Bamba Dieng, finition. Putain, c'est pas possible. Radeski, c'est bon, merci. Enfin une qui passe quoi. Strasbourg qui revient à une longueur. Qui revient à une longueur et qui. C'est clairement le but qui va nous permettre d'y croire au retour. Parce que là, tu vas à 2-0 en Allemagne. Ça pue vraiment. Hein. Et là, ce but, on serait bête de pas y croire. Bon, fin du match, allez. Alors, on peut nourrir des regrets au vu du nombre d'actions ratées. Mais l'espoir est là et on va aller en Allemagne. Chargé à bloc pour aller chercher cette qualification. Tout est possible. Leverkusen est très clairement prenable, a de très très bons atouts offensifs, ça c'est clair et net. Mais statistiquement les gars, on peut pas sortir à 10 tirs et un but, c'est pas assez quoi. On a une expected goal je pense qui est très élevée à 2,8, donc c'est pas possible. Bref, c'est pas grave, le match retour c'est pas pour tout de suite, d'abord on doit se concentrer parce qu'il y a Lyon. Bon les gars, du coup, match contre Lyon, vous voyez que j'ai remanié un petit peu l'équipe avec Pedro Chirivella, un nouveau titulaire, Sissoko était fatigué. On a désormais 11 points d'avance sur notre concurrent direct, avec encore des faux pas de la part du Stade Rennais. Donc 11 points d'avance, c'est très confortable. Il faut absolument, absolument encore gagner pour assurer ce titre de Ligue 1, parce que là, il est plus qu'à notre portée, il y a tout qu'à changer, super, rien qu'à être sauvegardé. Je vais faire donc tranquillement la compo qui... Et de toute manière, assez connu dans ma tête. On va faire la compo. Et de toute manière, on va aller... Je vais mettre Jackson. J'ai envie de partir avec Jackson. On va juste mettre les deux côtés. Rechanger les deux côtés. Et mettre Niamsi. Voilà ce que j'avais fait. Franchement, il faut aller chercher encore des points. L'avantage, c'est qu'on avance avec l'esprit très léger au niveau de la Ligue 1. Vu le nombre de points qu'on a d'avance, on peut vraiment avancer sereinement pour aller chercher ce titre qui ne doit pas nous échapper. Allez, la composition lyonnaise, vous avez remarqué peut-être, hein, mais ils ont un Trincao. Ils ont un sacré trio d'attaque, avec Cherki, Trincao et Lacazette. Faut pas les sous-estimer. Et ça va être assez intéressant de les affronter, du coup. Nous, vous l'avez vu la compo, je vais pas vous la remontrer. C'est parti à Lyon, jamais facile. Alors, on avait gagné lors de la saison dernière à Lyon. On avait gagné 4-1 avec des buts de Diallo. Mais là, alors, ouais, eux, ils sont dans une toute autre situation parce que je sais plus, je crois qu'ils étaient un peu plus haut au classement l'année dernière. Cette année, ils peinent un peu plus, hein, ils sont 7e, même pas européens à l'heure où on parle. Donc, le besoin de points est là et nous, on est dans une toute autre dynamique. Retour défensif, si ça passe celle-là, ça peut faire très, très, très mal. Yes! Oui! Bien joué, mon gars! Jackson à 0, 8e minute de jeu. La première est la bonne. Purée. C'est peut-être toi que je vais devoir mettre contre Leverkusen. Une balle, un but pour Nicolas Jackson qui permet à Strasbourg de mener dans ce match. Magnifique. La bonne ouverture. L'exploitation de l'espace. Très très bonne balle de Pedro Chirivella. Il y a suffisamment d'espace pour qu'il puisse pousser son ballon et enchaîner par une frappe. 1-0 pour Strasbourg. Oh, il y avait peut-être moyen, j'aurais pas dû frapper placé. J'aurais dû mettre la praline. J'aurais dû mettre la praline face à Anthony Lopez. Grosse action pour Strasbourg. Il y a des espaces hein, dans ce milieu de terrain lyonnais quand même. Purée. Ok. Ok, on dirait que tu t'es voulu de Matzels.
26ème minute de jeu, l'action qui devait pas en être une en est devenue une, j'ai eu peur là. J'ai pas trop compris Matzel ça sur ce coup. Attention quand même à pas faire des dingueries hein, mon gars. Oh, c'est super bien joué, égalisation lyonnaise. On perd trop de ballons au milieu de terrain à force de porter la balle, égalisation lyonnaise. Ah, c'est con parce que c'est pas la première fois qu'on fait cette erreur à la garder, à pas vouloir la lâcher. Et résultat, on est puni. Bah ouais, on est mou, hein. On est mou. 2-1 pour Lyon, Trincao. Allez les gars, petite réaction quand même là, un petit sursis d'orgueil parce qu'il n'y a pas grand chose. J'avais dit que c'était pas facile de venir jouer ici. Ça se confirme. Et Lyon, qui a un skill de 1, on va passer en offensive du coup. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. On va faire des changements à 15 minutes de la fin parce que... J'ai pas l'impression qu'on va savoir trouver la faille. Cuisance, Deminguet. On fait du changement. On espère que ça va avoir un aspect positif là, mais j'ai pas envie de perdre ici. Surtout pas quand t'as 11 points d'avance et que tu peux normalement aborder les matchs avec pas mal de sérénité. Il n'y a pas d'enjeu. Bamba, s'il te plaît, quand même. Ouais, gars, là, on n'aura pas 10 des aussi grosses comme ça en fin de match. Hein. Je finis pas tes tags duel. Il y a une énorme faute, là, par contre. Tu vas me la donner. C'est clair et net que je la prends, Tagliafigo. T'as pris un coup franc, là. Tout ça, peut-être. Ça peut être intéressant. Oh, dommage! Encore Bamba Dieng! C'est pas possible! Il est dans un épisode, lui, aujourd'hui. Il a eu 20 frappes, il a mis un but. C'est incroyable! Tous les loupés de Bamba Dieng. Oh, on va très certainement s'incliner ici contre Lyon. À moins qu'on récupère rapidement le ballon, mais autant Dagba que Cherki sont raides. La parade de Matzel, ça va se terminer là-dessus. On va s'incliner contre Lyon, signer la deuxième ou troisième défaite de la saison. Et bon, espérons que cette dernière aura quand même des choses positives au moment de faire le point. Parce que bah, c'est jamais bon de perdre, mais si tu es capable d'en tirer des conclusions, ça peut être intéressant. Défaite contre Lyon à Lyon, plus opportuniste, Lyon s'impose et nous... Eh ben, on n'avance pas plus que ça au niveau du classement. On va avoir le résultat maintenant du Stade Rennais. Bon, alors du coup, cette défaite, pour le moment, on n'a pas l'impact que ça a parce qu'on n'a pas les résultats. On va avancer jusqu'à Ajaccio qui sera le prochain match la semaine prochaine. Ajaccio, on sort sur 2 défaites. On sort quand même de 2 défaites. Donc voilà, il faut réagir un petit peu. Il y a eu une victoire, donc 9 points d'avance. On revient à 9 points d'avance, le même nombre qu'on avait au début de l'épisode. Paris qui revient aussi à 9 points mais avec un match en plus donc voilà, et le Stade Rennais et Nice hein, ouais, ils sont 3 même 4 si tu comptes Lyon désormais qui s'est relancé parce qu'ils ont encore gagné donc ça risque d'être intéressant. Semaine prochaine comme vous l'avez vu on a Ajaccio, le SCO d'Angers en coupe et ensuite Nice donc de belles choses aussi et après bon ben voilà hein, après c'est Leverkusen, Rennes, Reims et ça va vite s'accélérer jusqu'à la fin de la saison donc voilà j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cet épisode avec le Racing Club de Strasbourg. Moi comme d'habitude je me suis régalé à vous le tourner et je vous dis à très bientôt, à très très vite pour la suite des aventures. Demain une vidéo spéciale qui sort, ça fait plaisir de vous proposer autre chose que des carrières managers. Je vous dis à demain pour les plus fidèles d'entre vous, c'était Micro, ciao les gars.